Bonjour. Bonjour. Bien. Fait que, qu'est-ce qu'on s'en allait faire? Donne ça de l'eau, hein? 5. En fait, aussi, ce que tu préfères, c'est garder la prochaine note puis en replanter une autre. Ça t'en ferait encore plus. Yeah, ça. C'est qu'on l'avait cette affaire-là, ici. Stanium pis glace. Je suis sûr que ça va être du copper puis pas du titanium, c'est drôle. Ouais, c'est quand je joue du titanium que j'allais pas. Les rayons de soleil à travers l'eau sont tellement beaux. Deux titanium pour ça. Il me faut trois titanium en tout. C'était juste un. Il faut un aquarium aussi. Ouais. On dirait que tu vas le lancer comme un boomerang. Tadam-tss. Ouais. Faut que je fasse un aquarium aussi. Ça prend quoi pour l'aquarium? Deux glaces, un titanium. Regarde, c'est pour mettre quelque chose de spécial dedans. Si tu regardes le truc qui est juste à ta droite, puis que tu le scans, ça va donner deux titanium. Je sais pas mon scanner maintenant. Ah, ok. T'as rien à faire charger sa batterie. Je pense qu'il était quasiment fini aussi en même temps. C'était juste les quartz à ramasser. On va faire une porte Oxygène. d'entrée de ce bord-là aussi, c'est-tu? Oxygène. C'est peut-être une bonne idée. Ou l'affaire de ce bord-là. Welcome aboard, Captain. Il semble que j'arrive plus souvent de ce bord-là. En effet. C'est comme la chose la plus importante à faire aujourd'hui, ok? Oui. J'approuve à 100%. D'ailleurs, on prend une gorgée en cheer-up pour ça. Ouais, si je serais pas dans l'eau, je t'accompagnerais. C'est vrai, j'aurais dû prendre mon scanner. D'avoir vraiment de la quartz dans ces régions-là. Ah, il y en a mis un ici.
J'ose pas trop t'approcher parce que je sais pas si t'es agressif. Pas l'air d'être une créature qui l'est, mais on peut te surprendre. On sait jamais. J'ai l'impression d'en avoir vu un là. I'm crazy apparently. Mais non. C'est une illusion, la game. Je demande le bladderfish, tu peux-tu le prendre juste pour avoir de l'oxygène? Mais genre, sans le cuir, sans rien du tout? Tu peux juste faire release. Non, mais dans ton inventaire. Je penserais pas. Je remonte où est-ce qu'il y a la glace, évidemment. Mm-hmm. On va aller chercher mon scanner, puis on va aller un peu plus dans ces affaires-là. Me semble m'ont pas mal flashé tout d'un coup. J'étais comme. Je sortais de prendre toute mon électricité. Puis finalement, non, j'étais super haute encore. Ouais, non, c'est juste, je pense, pour avertir que tu utilises de l'énergie. Puis j'imagine qu'on pourrait aussi charger celle-là. Quitte à la remplacer avec une nouvelle. C'est pour le laisser de même. Le scanner. On va le mettre ici. Ça tout est dans ma barre. Sauveteur. Ouais. Un truc random, fait qu'on va mettre ça ici. Je peux pas encore rien faire avec, anyway. Mm-hmm. Regardez où est-ce qu'on peut avoir le. Ah, ok, il fallait des trucs spécifiques, je pense. Je me sais pas s'il fallait une machine avec, je vais regarder. Changer déjà, je pense. Il y a celui-là aussi. Profiter que c'est la journée. Pas de charger. Ah! Ok, cool. D'accord. Que je savais pas. C'est awesome. Fait qu'il est passif. Nice. Il a l'air fucking beau aussi. Mm-hmm. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Je veux pas des affaires d'argent. T'es pas assez boss. Hmm. Apparemment. Après avoir tout crafté ça, ce que tu peux faire comme projet, c'est faire le 30 seconds of oxygen remaining. Faire quoi? Le sea truck. Comme ça, t'aurais plus besoin de d'entendre le oxygen. Il y a ça.
pas sûr que je pouvais construire déjà le truc pour faire les... Je pense qu'il te manquait un ou deux bouts. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Je sais pas comment faire pour faire les véhicules, du coup. En fait, c'est dans ton fabricateur, ça, je pense. Le truc, on peut le faire dans le fabricateur? Ah, ok, non, pour le Mobile Vehicle Bay. Ah, ok. Ingredient unknown. Je l'ai pas encore. Si tu vas voir dedans ton crafting inventaire, tes recipes, tu vas pouvoir voir t'es à combien. Il me semble que t'en es 1 sur 3 ou 2 sur 3. 2 sur 3. Ok, cool. Normalement, tu les trouves dans les Sea Monkey Nest. J'ai juste vu un nest à date. Fait qu'il faudrait que t'ailles dedans les Creeping Vine Biome pis que tu checkes là-dedans. C'est pourquoi je ramassais déjà les quartz, non? Pour faire du glace pour à l'aquarium, c'est vrai. L'aquarium. Il me faut deux glaces, fait qu'il me faut quatre quartz en tout. J'en ai juste un. Hey boy. Mais d'abord, ça va être un side quest. Faudrait genre que t'ailles vers ton pod pour voir si t'as pas. Si on peut respawner. Mignon. Ça sort de la litière. Ouais. Pierre. C'est ça. T'as fait du bel ouvrage, Mignon. Félicitations. Mignon. Mais non. Qu'on met. On voit. Bon, les Simonkiness sont souvent avec les Creebrine. Oui. Il y a un Simonkey ici, c'est déjà bon signe. On va enlever son... C'est clair pour pas qu'il me vole. Non, ils sont comme genre une coche deeper. Ouais, genre dans l'eau. C'est l'explodé tout ça. Tu peux scanner le nest. Apparemment non. Faut que tu prennes le cristal de sulfure avant, je pense. Ou peut-être pas? Weird. Ah, ok. Ouais, ouais. Placer d'une façon précise, apparemment. Mais là, j'ai perdu toute mon air à faire ça. Ah, ben, je pense que c'est le nest de toute façon que j'ai déjà exploré. Minoun! Je crois que c'était pas lui finalement parce qu'il y avait encore quelque chose dedans, mais... Mm-hmm.
Hank. Soudainement noir ça. Ok, avec les gros tonnerres demain, on sortirait peut-être pas toi la tête. Ouais, il me semble que le pilier a dit que c'était Dangerous Weather. Okay, fait qu'il y a vraiment pas d'autre dans cette direction-là. C'est-tu des affaires d'or qui est ici? Ah ouais? Oh wow! On en profite, tu sais. Bonjour, c'est manqué. Hello! Oh, mon inventaire est plein. Oh non! Minoune, là, t'es fatigante. Ça fait un peu peur, effectivement, cette température-là, juste sneak peek. T'as fait un autre panneau solaire aussi. Là, il me servira à rien pour moi, là, mais... Pour le futur. Ouais. Tu peux les... Je vois tête aussi, en parenthèse. Ah. Welcome aboard, Captain. Captain. Fait que là, prends le pingouin baby. Les eggs, ils vont pas dedans, malheureusement. C'est-tu du alien containment? Ah ouais. Fait que t'imagines, moi je me suis fait un aquarium plein de ça. Oh! Ça dedans? C'était tellement cute! Ça doit. Ça, on va boire un petit peu. Ben, dépendamment, tu veux faire une autre plante ou je t'avais peut-être proposé de faire que tu pourrais faire une autre plante. Ça peut prendre juste ouais, un ou deux titanium, je pense. Il y avait ça que je voulais faire. Mais ça. Puis, est-ce que je peux te diriger vers des pièces d'équipement que tu aurais besoin? Ouais. Tu te souviens-tu du masque qui te permettait de respirer mieux ou plus facilement après 100 mètres? Pas vraiment. Ça s'appelle un rebreather. Ah, oui. Fait que ça, on le met-tu après notre thing? The mineral detector can identify raw materials, potentially saving you hundreds of hours of searching. Ok, je pensais qu'on pouvait peut-être le rajouter au scanner, genre? Nope. Mmh. Tu
suis bien cool. Nice, nice. Bon. Plant. Hein? Plant. Ah, oui. Puis tes batteries sont prêtes, by the way. Ouais, mais à part comme qui vont peut-être m'empêcher d'aller chercher les notes ici. Finis-tu par tomber par terre, genre? Je sais pas ceux que tu mets dans ton truc à toi s'ils tombent. Je peux aller les chercher de même. Qu'est-ce que je veux dire, toi? Ouais, les batteries, pour l'instant, j'ai comme rien à rechanger. À moins si je veux être bien extrême puis rechanger mon siglaï, là. C'est quand même pratique d'en avoir tout le temps une ou deux sur toi, hein? Il y a ça. So, on va saver. C'était-tu la flashlight que t'avais mis dans ton chest avant? Ouais, y a ma flashlight dedans, ouais. Ok. Chercher plus de poissons pour se faire de l'eau. Puis je suis là fermé. Je n'ai pas eu toute la recette pour le eat knife ou whatever. C'est dedans la modification station, ça. Ah, ok. Ça, faut que je construis avec le builder, je pense. Oui. Ok, puis c'est lui qui s'apprend du diamant. Je peux pas encore aller faire ça. Je pourrais regarder dans quel biome qui est, puis si tu. Je suis pas mal sûr que c'est déjà? Trop profond. Ou je peux mettre diamond avec ça. Mais ça va juste dire si on est proche, je pense. Bon, fait qu'on va essayer de trouver encore un nid de Simonkey. Un peu pas, ce camion? Mais non. Tu as déjà scanné ça.
Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Je pense qu'il y a peut-être un... Les glowy thingy, je pense qu'on peut les prendre. Oh, on peut les prendre directement. Je sais pas, mon cycle est dans la même place que d'habitude, que j'arrête pas de sortir ma... mauvaise affaire à place. Tu vois rien dans mes mains? Je peux scanner ça, mais là j'ai le smoky qui arrive. Puis, il est dans ton inventaire. Il faudrait que... Ah, j'aurais pu le pogner? Oui. Je vais revenir là de toute façon si je... vais juste aller prendre de l'air. Là, on va faire ça parce que... Tu veux escalader des roches, voyons pas les plus vite. Ouais, c'est ça. New creature discovered. Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Exactement ce que je voulais, mais... Si t'as déjà les écouteurs, par exemple, ça peut être aussi. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Moi, il y a une couple de trucs d'oxygène dans le coin. Ouais. Il y a un nest à ta gauche. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Enfin, c'est que ça en est juste le laser cutter profond même. Peut-être pas. Je suis... Pour te contredire. J'ai déjà scanné. Moi, je sais que je chauffe maintenant. Je suis pris à l'intérieur ici maintenant. Mais non. This alien technology exhibits a data signature that strongly correlates with the previously recorded distress call. Interesting. How about I can use this new data to identify where that call was coming from? Signal location uploaded to PDA. Interesting. Interesting. Interesting.
Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ça fait longtemps que je suis passé 100 meters de là-dedans. Un petit peu. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Nice. Woo! Yes. Now I can get out. Oxygen. Ben. Ça a été toute une aventure, là. Mm-hmm. Regarde, tu t'es pas fait voler, fait que... C'est ça le positif. Ah ouais, c'est que j'avais peur. J'arrêtais pas de le ranger. Déranger mes affaires. Tu le fais cuire? Probablement. In my turn, your stomach. Ça prend du diamant aussi. Oh. Je pourrais faire la propulsion cannon, d'accord. Tu prends titanium ingot, computer chip, le break. Hmm. Highly reactive compound. Je pars dans la mauvaise direction, évidemment. Mm-hmm. Fait que on va enlever lui, je pense, pour l'instant, vu qu'on a déjà été. On va mettre notre base une autre couleur. Rouge. On la reconnaît plus facilement. Ou ce serait mieux d'une autre couleur carrément de même. C'est trop proche de l'autre. Bon. T'es cute, minoune. Elle rentre dans ma chambre, puis là, je la vois du coin de l'œil, fait que je me reviens pour la regarder, puis là, elle me regarde comme... C'est mon attissé. Puis là, ça vient vers moi après. Fait que la nature de cette construction alien est inconnue. Ça n'a pas d'indicateur clair sur sa fonction. La scan montre de la lumière interne qui émet des ondes différentes. Le but, les théories dans le fond sur son but peuvent être cosmétiques. un espace de rangement de communication. Quelque chose pour démontrer un holographe. Un hologramme. Hologramme, c'est la musique, non? Non, un hologramme, il me semble que c'est un... comme un truc... qui peut apparaître devant toi, qui est transparent, là. Mais attends, je vais regarder pour être sûr. Hologramme, d'abord. Ou une affaire qui fait un petit peu de lumière douce pour le début de relaxation. Genre, ouais. je pense que c'est juste parce que j'ai comme gramophone, genre, fait que le hologramme, mais ça paraît pas tout le temps. Mais non. Fait qu'une espèce de raie qui bouge rapidement, qui s'est bien adaptée aux basses températures de l'environnement. Elle a deux types de nageoires qui ressemblent à des ailes, qui lui permettent de changer rapidement de direction puis d'accélérer. Puis, comme les autres raies, c'est exclusivement herbivore. Là, ça dit que c'est sans... Ça fait pas de... Ça attaquera pas. Sans danger. Ouais. Ça dérange-tu de lire lui, puis je vais moucher, moi, pendant ce temps-là? Ouais, puis il est marqué affichage holographique. Fait que ça dépend. Les...
les singes de mer, le nid des singes de mer sont comme des gros bols. Ok, je vais recommencer. Les nids des singes de mer sont comme des gros bols faits de sédiments puis de sortes de plantes. Puis-je te commenter, te thumbs up sur ta façon que tu traduis ça, parce que holy fuck que ça mélange tout. Les singes de mer utilisent leur queue flat, qui est plate plutôt, pour coller les matériels puis former la structure du nid. Les singes de mer sont naturellement curieux. Ils sont souvent attirés par des matériels métalliques qu'ils ramassent pour renforcer les côtés de leur nid. Puis merci, même si je suis pas mal dans comme Fait que poisson bizarre avec une forme d'étoile, que c'est une forme d'étoile, puis qui tourne en rond pour générer sa propulsion. C'est capable d'une très grande vitesse en ligne droite. Son cercle est lent, puis large. Et qui tourne. Sinon, merci. Merci. Puis comme les autres petits poissons de proie, ils vont se nourrir d'une variété de graines puis d'herbes autour du fond de la mer, en fond. Ça dit que c'est mangeable. Les plantes de sulfure. Ces plantes apparaissent Ces plantes-là, on dirait qu'ils servent comme nid pour des organismes explosifs qui vont les garder. Les pétales externes sont pas dommagés par la présence de la créature qui les habite, ce qui suggère un complexe développement ensemble, dans le fond, co-développement. La plante a évolué pour se nourrir des nutriments et des minéraux qui sont déposés à l'intérieur par le poisson. Puis les dépôts de sulfure dans les feuilles internes donnent une idée un peu sur le mécanisme par lequel les créatures vont exploser. Puis ça dit que le sulfure peut être appliqué dans la construction des outils de réparation. Ah, il va servir juste à ça? J'en ai ramassé plus pour rien, c'est ça? Regardez. Des racines d'algues. Ben, kelp, c'est comme une sorte d'algue, là, mais je suis pas sûr c'est quoi exactement. Là. Autrement, son nom, l'aspect visible de ces racines-là est vraiment... vraiment comme un tronc épais, comme tout tourné. Le système de racines est planté profondément dans les murs de roche de la cave. Ça dit qu'il y en a certains qui vont grandir des pustules au long de leur tronc, qui vont être formés par la plante qui va tranquillement éjecter des matériaux toxiques qu'elle a absorbés dans son... système de racines très grand et profond. Ça dit que c'est une ressource que tu peux cultiver, ramasser plutôt, puis utiliser dans la fabrication. Le sulfure, tu peux t'en servir dans 6 constructions. Ok. Le canon de propulsion. Ça permet à celui qui l'utilise de manipuler une force gravitationnelle à une distance de 20 mètres.
C'est communément utilisé dans la construction puis dans quand on mine pour bouger les matériaux. Les instructions pour l'utiliser, ça dit qu'il faut peser une fois pour voyons, look. Je blanque sur comme le mot le plus inutile au monde. Pas inutile, mais comme le plus simple au monde. J'ai juste piégé qu'il vienne, mais ce serait pas exactement ça. Non, c'est... Attends. Lock on. Oui, verrouiller, ça marche bien. Ben, pour vérifier, sur l'objectif, la cible... Ouais, non. Mettons. Puis attirer la cible d'un objet qui est moins que 25 kilos. Cet objet-là peut maintenant être retiré avec sécurité dans le fond du rayon gravitationnel. Puis, comme deuxième affaire qui peut être faite aussi, vous pouvez tirer sur le vous pouvez peser à nouveau dessus le bouton d'activation. Puis ça va lancer l'objet à une bonne vitesse loin de du canon, dans le fond. C'est pas recommandé pour l'utiliser pour des sujets organiques. Mais voyons. Là, ça dit... certaines espèces ont la télékinésie. Pour tout le monde d'autre, il y a Altera. Bon. Ça. On va aller chercher de l'eau. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oxygen. Oxygen. Je sais pas si cette AI-là s'entendrait bien avec loading. Probablement. Tu peux manger les grapevines? Je sais pas, hein? C'est ça qu'on pouvait peut-être dans l'autre, mais... Parce qu'il me semble que les samples ont comme un shelf life. Welcome aboard, Captain. Captain. Eating a raw bladder fish will restore 15 points of oxygen. Hmm. Bon. Fait que là, faut que je me mette à face. Computer chip, c'est quoi ça? Oh, du gold, du coral. Gold, on a pogné un tantôt. So that's titanium ingot. Ça, je pense que ça prend 10 titanium. 5? Oh, cool! Ah, la barricade.
parce que j'en avais déjà un aussi. Lube. Yep. Fait qu'il va me manquer juste le gars. Moi, on avait un proche, je pense, de notre base. Il y en avait un dans les Twisty Bridge en bas, je pense. Ben, un. Plusieurs, si je me souviens bien. J'en ai vu juste un, justement là. C'était juste un que ça prenait ou deux? Deux. Pas positif, ils sont assez flashy que tu les vois sur les roches. Mm-hmm. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Je m'en vais à ma base, c'est correct. Que je le release par-dessus. Tu l'as dans ton inventaire puis tu le release. Mais ça va l'air de montrer. Dans ton inventaire, dans tes mains. Ça va l'air de montrer une place spécifique, c'est pour ça. Non, c'était juste en face de toi. Bon. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Advanced Warrior Kit, 2 glaces, 3 LED, une Power Cell, Power Cell. Je pense que ça prend quelque chose qu'on n'a peut-être pas. Advanced. Diamond God, je pense. Mais c'est ça, je n'ai pas de diamant encore. J'ai dit Titanium and God. Ah, ok. Power Cell. Warrior Kit, 2 Silver. Advance. J'ai mis deux silver. Faut que j'aille retourner chercher du gold. J'ai recherché du gold, du silver. Non, le silver, je l'ai. J'ai cherché du gold. Et là, ça va me faire deux ça. Deux glaces, trois LED. Après ça, faut que je fasse des batteries. Deux copper, puis deux, quatre très fois la même. Ça va? Sorry. Ouais, mon crayon a décidé de vouloir sacrer le canteur, de rouler. Les plantes pour faire des batteries. Oh. Je sais que t'en avais deux déjà dans ton chest, sinon... Je les ai utilisés déjà. Pour faire le thingy. Ok. Il me semble qu'il n'y en avait pas aussi profond que ça. Il me semble que non. Il me semble qu'ils sont juste genre dedans des mini caves qu'il y a dedans le safe shallow. Ils sont peut-être dans d'autres biomes là, mais là, juste de même là.
C'était un taunting, ça? Ouais. Donc, hein. Ils sont pas bien généreux. Quatre, hein? Je vais vraiment te faire chercher. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ça prend tout en plein de titanium. On va en profiter puis ramasser ça. That's a good idea. On va aller se vider un peu. Avant de descendre pour aller chercher le gold et le silver. Ben, surtout le gold, en fait. Non, mais arrête de mettre la lumière. Je pense que ça va ramasser du pain quand même si je réussis. Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Il y a eu des plantes ici, hein. On cherchait. Oh, c'est vrai, hein? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Un biome de 30 secondes d'oxygène remaining. Attends, là, tu parles en même temps qu'elle parle. Okay. Quoi? Vas-y. Il fallait que je décide de parler en même temps qu'elle a parlé, mm-hmm. C'est bon. Il y aurait le blueprint pour le rebreather? Là, dans le Twisted Bridge? Ah ouais? Ouais. Sauf que... c'est à 170 mètres. Je suis pas vraiment prête pour aller là.
Avec le peu d'oxygène que j'ai. Ben... Ça, c'est la voix de l'aide, ouais. Si c'est un in and out, ce serait pas trop plus. Ça dépend combien d'affaires d'oxygène que j'ai en chemin, j'imagine. Ouais. Copper. Ça, c'était où est-ce que j'étais morte, je pense. Copper. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ça, c'est la main story, je pense. Fuck ton SOS, on s'en veut. Ouais, c'est ça. Ben, c'est surtout que je vais reprendre de l'air, puis j'avais comme plus de plantes proche de moi, fait que... Si tu vois encore. Ouais. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Non, je peux-tu avoir des affaires d'argent puis de d'or? Surtout d'or, en fait. Apparemment non. On va retourner dans les affaires de Simonkey. J'avais plus de chance là. Are you sick? Je crois que ça va l'air d'être peut-être un bébé. Je me demandais si je pouvais le pogner, mais... Bon, vraiment, aller dans l'affaire de Simon Key, si tu veux. Où est-ce qu'il y avait toutes les racines? Ouais, où est-ce qu'il y avait les caproots? De l'eau avant avec les poissons que j'ai ramassés, là, pis... Changer ma batterie en même temps. Ça se dépense vite. Hein. Welcome aboard, mm-hmm. Captain. Juste 2 sur 4, c'est vrai, il fallait que je continue à ramasser ça aussi.
que j'ai faite là. C'était changer ma batterie aussi, puis je vais faire ça. En fait, j'imagine la raison pourquoi qu'elle allume bien directement, c'est que des fois tu fais ça pas dans ta base, mais deep. Mm. Puis que t'as besoin de ta lumière low, là. Puis I can't see anything! C'était vraiment c'est vrai. un dangerous sentiment. Vraiment, c'était où ces vignes-là? En fait, il faut que tu ailles dedans une place où il y avait pas mal de trous pour les six monkeys, puis que tu descends dedans, ça. C'est comme ici. Dedans. Ah, ok. J'avais oublié qu'il y avait un trou directement là. Sorry. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Je sais pas si tu peux scanner les bulbes. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ça me j'avais essayé. Non? Non? Ok. Il est où le trou perdu pour que je me perde dedans? C'est ça. Ah! Il semble qu'il m'en fallait au moins deux. Cachette secrète. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ah, il y en avait un juste en haut de toi. Là où est-ce qu'il y avait le genre de cop qui était passé. Merci. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Sinon, il me restait des table corals à avoir aussi. Deux, je pense. Ça va être déjà deux. On est presque que je n'avais vu plein en passant, mais je pensais en avoir assez, puis j'avais oublié qu'il m'en fallait plus. Je présume que le rebreather c'est pas vers où est-ce que la story pour que là tu fasses le commentaire, mais ça sauf que c'est vers la main story. Non. Je t'explique que c'est proche de l'autre, je m'en souviens pas. C'est que le trou que t'allais, c'était la main story.
warning, passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Mais voyons. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Je pense pas que j'aurai 8 ans avec le Simot. Simot? Le Sigline, excuse. Ok. Probablement arrivé juste. Bon. Advance Warning Kit, il me faut un Warning Kit, du coup. Ça m'a juste à faire ça. Il te faut 3 LED pour le C-Truck. J'en ai pas moins 3. Ouais, j'en ai 3 piles. On va aller chercher du copper. Je ne vais pas en pogner aucun dans les affaires que je vais chercher. Mm-hmm. Of course. Ça, c'en est pas qu'en a, mais je me dis tant qu'à dépenser tout mon LED, je vais en ramasser d'autres. Très bonne idée. Je pense que c'était juste un jeu. 30 seconds of oxygen remaining. Ben, t'as besoin de 2 batteries pour faire la power cell. Ouais, puis j'en ai déjà fait une. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Captain. Essayez tout le temps de prendre l'habitude de recharger une batterie en arrivant. Bonne idée. Bon. Une batterie. Le rubber. Yeah, oops. Put
Captain Swear Kit, le Poundstill, chez Twilight. Il faut c'était la mingote. Puis deux glaces. Un titanium and good? Ok. Puis des glaces. Ça doit être un gold que ça, finalement. Je pense que c'était peut-être pour autre chose, le gold. J'en ai profité. Non, ramasser plus, je sais pas. Mais c'est... Puis qu'est-ce que j'ai pensé? Vraiment, hein? Ben, on cherchait du silver aussi, en même temps. Peut-être que t'avais juste besoin de un gold, mais que on en voulait plusieurs. Trucking. Qu'est-ce que j'ai d'avoir comme achieve? Ah, mais là c'est brumeux, fait qu'on voit pas super bien comment ce qu'ils font. J'aurais dû attendre qu'il fasse soleil beau dehors. Cool. Fait qu'on rentre par où? Sur le top. Tu peux sauvegarder! Puis, techniquement, il faudrait que je me fasse un autre. C'est des Power Sun qu'il faut mettre dedans, genre? Ouais. Tu le charges en intérieur ou faut que tu le fasses à l'extérieur? Les trucs sont sur le côté du. Okay, de l'entrée. Ici. Ok. Genre d'un côté. D'un côté... Ouais, t'as comme les batteries là, puis t'as. L'affaire de upgrade. Ah, mais je peux pas faire les upgrades encore. Ouais, c'est vrai, on a pas le truc. Ça prenait deux batteries puis quelque chose d'autre, je pense. C'est cool. Silicone. Puis t'en reste juste un d'ailleurs. Ouais, ben ça, c'est facilement pogné. Je peux juste faire une batterie. Je peux aller rechercher rapidement d'autres plantes, hein. On sait qu'il y en a une couple. C'est ouais, les six clusters, puis ça me semble que ça en fait deux. C'est les six clusters. Seed cluster, le rouge. Pour faire les. C'est pas les vines? Non. Je pense que les vines, c'est pour. Je pensais que les seed clusters faisaient. L'huile? Non. Ça peut faire les deux? Puis que les vines faisaient le fiber puis les. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Vine. Bof, peu importe un ou l'autre. J'en ai proche de moi, fait que. Pour faire un genre de tissu que là je me souviens pas c'est quoi. Ouais, fiber mesh. Fiber mesh, ok, ouais, c'est ça, désolé. On voulait faire la science, on pouvait les manger aussi. Ben, je voulais faire la science. Tu veux jeter la lumière avant de débarquer? Ça va-tu dépenser son énergie pendant ça?
Je me souviens pas si ça dépense l'énergie. Emergency food. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. On a pas de chance. Bon, ma soeur, j'arrive pas, mais... Je ne pas de mourir juste à côté de ma boss. Mais voyons. Où est near home? Un peu en réserve. Ça, j'ai de la... Je suis quand même pas mal plein en bouffe. J'ai de l'eau. En plus, ça heal, c'est cool. Ok, on va essayer d'aller trouver ce story builder là. Maintenant qu'on peut prendre de l'oxygène facilement. C'est vrai. Fait que là, ne pas oublier la distance que peut aller ton C-Truck. C'est 150 seulement. Ah, il y a quelque chose ici. Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. High capacity O2 tank. Oh, tu peux scanner en plus. Es-tu en train d'attaquer ton C-Truck? Ou essayer de m'attaquer moi à travers. Non, c'est pas... Ok. Window. Code. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Fait que c'était juste un upgrade que j'ai pas encore c'est... l'affaire pour. Non. C'est l'affaire pour le augmented O2 tank pour respirer, avoir plus de breathing. Oh! Que tu viens d'avoir. Fait que c'était ça qu'on cherchait, non? Non. Nous autres, c'est un casque. À 170, pas à 120 ou 130 qu'on était. Je vais aller quand même mettre ça d'abord. Avant d'aller plus loin? Oui. Ah, capacité. Si je peux le faire. Ouais, je vais regarder. Ah, ouais, donc ça prend du diamant. Welcome aboard, Captain. Fait qu'il me faut le tank normal, deux glaces, quatre titanium, puis un silver ingot. Oh, il manque un quartz. Ça en prend deux pour faire du glace. Yep. C'est que j'en avais vu plein.
ici. Ok. Caché direct à ma porte d'entrée, quasiment. Ouais. Sneaky, sneaky. Ça. Et moi, c'est un titanium à bois, puis un silver. Puis il faut que ton tank. Pour respirer encore un petit peu plus. Je suis presque pas utilisé encore la batterie, mais. Quand même. Ça, il est un peu. On va re-saver. On va saver compulsivement. Mm-hmm. Fait qu'on a 130 maintenant d'oxygène. 135. Mm-hmm. C'est pas mal mieux que le 70. Mm-hmm. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Let's see, Jean. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. On va plonger et revenir, plonger et revenir. Mm-hmm. Là, tu warning. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. C'est pas exactement où est-ce que je suis. Je peux le. Il y a comme pas vraiment quelque chose de. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Quelque chose ici. Mais je pense que c'est juste un fragment du petit truc encore. C'est pas juste le petit truc qui va être là. C'est. Il y a une. Il y a une lampe pour te montrer? Trop haute. Ouais, mais j'essaie de voir s'il y avait comme une craque ou. Ah, ok. Parce que sinon, c'est juste vers la direction de où est-ce que le truc. Le distress signal. Ben. Je pense que c'est juste un trou spécifique pour le stress signal, tu vas être trop basse.
Mais ça, j'ai déjà été à cette affaire-là. Ouais. Ah, peut-être pas lui. C'est pas qu'il y avait comme un bras de même, avec qui j'ai été. C'est vrai. Yes. C'est peut-être lui? Cool. 170 piles! Fait qu'on va aller faire ça. Que je me fasse... Non, je l'ai déjà fait, je pense, ces repairs. Faudrait que je l'emmène avec moi. Ouais. Il fait 7 degrés, man. Déjà ça, 17 degrés Celsius, ferait frite. Un petit peu. Bon, puis le rebreather, qu'est-ce que ça prend? Wearing kit fiber mesh silicone rubber. Wearing kit, c'est 2 silver. J'en ai sur assez, j'en ai pile juste assez. The rebreather facilitates extensive free diving by recycling air more efficiently at significant depths. Breathe the freedom. Breathe the freedom. Exhale. Fait que là, il nous faut des diamants. Puis tu fais une, puis tu pognes le réparateur, le repair tool. Mm-hmm. Affaires qui ont été dites. On n'a pas de nouvelles affaires dans le databank. Repair. Que tu peux prendre la batterie qu'il y a dans ton charger pour la garder sur toi. Aussi. Juste un maxi. Bon, pas exactement maxi, mais... Ben... Fait que je suis timide d'aller à un des affaires que j'ai, genre? Super profond. C'est ça, je pense pas qu'on va pouvoir aller jusqu'où est-ce qu'il y a les diamants. Ben, les diamants sont Il y en aurait un, là, où est-ce que c'est les Thermal Spire? Les Thermal Spire? Ça, c'était vers l'autre vers truc. L'île. Sinon, il y en aurait dans les Deep Twisty Bridge. Fait que Even Deeper, c'est à 250 mètres, 380. Je suis pas sûr que je vais rencontrer cette créature-là, moi. Mais voyons. Je pense que les diamonds, ils sont directement de même. C'est pas un déposit, genre. Ok.
Je suis vers où est-ce que les thermales ténues, là, probablement. J'ai la date, j'en vois pas. Ouais. Il y a l'air d'avoir de l'or, par exemple. Mmh. Ça a l'air d'être peut-être des trucs d'Argentine ou whatever. Ouais, non, cette couleur-là, me semble, c'est ça. J'ai tout dépensé. Man, que l'oxygène baisse tellement moins vite. C'est tellement merveilleux. Breed the freedom. Ah ouais, c'est ça. Pour le PDA disait. On ne sent pas des gros droits, fait que c'est déjà ça. Ouais, mais c'est trop silencieux, fait que ça fait aussi peur. Mais non. Minéral distillerie. New technology acquired. Il y a un truc vert en bas. On dirait un egg. Où ça? En arrière du distillerie. Ben ouais. Chance t'as vu? C'était même pas lui que j'ai vu, ça le pire. Ben ouais? Ouais. Je vais retourner d'abord. Je vais juste aller prendre de l'oxygène. On est encore correct, c'est mais... on peut prendre de chance. Mm-hmm. Prendre une pastille aussi, là. Qu'il y en avait un en arrière du distillerie. C'est ça que tu disais. Je l'ai peut-être imaginé. Il y en a un aussi. Ok. Pas assez profond, mais à date, hein. On va profiter parce qu'il y a bien du silver, mais... savoir qu'on peut revenir ici pour du silver. Ouais, c'est une bonne place pour ça. Si je te calme dans le dessous d'ici, tu vas-tu me remarquer? Oh oui, il y en a un autre. On était pas là. J'ai rien vu. Bon. Qu'il y avait une faille, genre je pensais peut-être que on allait un peu plus profond. Hein. Ben, ils disent que cette place-là, c'est comme entre 5 et 280 mètres parce que c'est quand même haut. Ben, bas. Fait que t'es des bonnes distances. Ils ont l'air un petit peu hungry. C'est encore la même feuille. Je suis juste plus loin.
Tu peux-tu aller un peu plus loin, s'il te plaît? Puis plus rapidement. C'est comme quand t'es dans un char et que tu vois une vieille personne en face de toi qui passe la rue. Mm-hmm. Je fonce pas du tout dans des affaires vraiment. Le poussif, ils prennent pas beaucoup de points de vie. Pourquoi tu décides de grogner quand je sors pour aller chercher le gold? Oh, c'est peut-être lui qui grogne plus. Il y en a bon ben gros. Ça se fait que je n'avais pas vu un seul la première fois que je suis venue. Parce qu'on n'est pas à la même place. Fait que je serais pas à la bonne place, ça, non? Non, non, c'est un gros biome quand même. C'est comme l'autre bord de l'île. C'était plus safe vers là-bas, ok? On s'est allé vers là. Non. C'est en théorie une bonne affaire, mais en pratique, si on veut du diamant, je sais pas si ça va être correct. Je pense que c'est encore la même faille que j'ai déjà été, ça. Je pense que oui. Ce serait plus simple d'aller. Tension au. Truc. That's dangerous. Je sais pas si ce serait plus simple d'aller dedans les Deep Twisted Ridge. Tu disais pas que c'était autour de ça ici? C'est à deux places qu'à date, nous autres, on connaissait. Les Deep Twisted Ridge, puis les Vents. Mineral-rich crevices detected below. Geothermal activity detected. Caution advised. Que je te dis, moi, à date, tu vois, même à essayer d'aller voir les trucs explosifs, il y en a même pas. J'ai déjà scanné, ouais. À place de ton habitat boulder, tu pourrais mettre la torche? C'est super profond, tu dis, dans l'autre fois? Ben là, vu qu'on a le rebuteur, on est bon, mais sinon...
250-380. Mais ça m'étonnerait qu'on ait besoin de se rendre jusqu'à 380, là. Mais déjà 250, j'ai comme un 100. Faut que je nage moi-même, que je revienne à mon citruc après. Bon, mon Il y a des plantes pour respirer, il me semble. Pas mal une recette pour snayer, je trouve. Mais voyons. Je sais pas c'est où est-ce qu'ils voient ici que tu peux en avoir à partir de 5, là. 5 mètres. Ben, en fait, c'est le biome qui commence à 5. Fait que le diamant peut être probablement trouvé plus dans le bois, ça veut dire? Non, ça, c'est dans tout le biome. C'est que ça peut être rare, j'imagine. Il y aurait peut-être une genre de caverne que tu pourrais pogner et avoir le diamant dedans. Je sais un peu pourquoi on cherchait des diamants, en fait. Pour faire la modification station. Ok. Puis pour... Ça, c'est quoi? C'est du lithium, peut-être? Peut-être. C'est mon poids d'étime. Pour faire les MK1 de, pour le Citroc, j'en pourrais plus profond, on a besoin du... On a besoin du Modification Station. Je sens que les ventes sont quand même assez grosses, comme gros comme biome, fait que... Peut-être qu'à la place où ce qu'on était, il était pas vraiment généreux côté diamant. À date, pas trop, non, ouais. J'imaginerais okay, proche. Proche de vente de même, justement, si c'est comme... Ah, il y en a ici. Est-ce que c'en est un directement ou c'est juste un... Ah, ok. Oh, c'est une veine. Je peux pas ramasser ça, non? Not yet. Il me semble qu'il faut le prendre pour ça. Faut quoi? Le prendre, prendre suit. Je pense que tu pouvais les prendre. Je pense que oui, mais là, je vais attendre qu'il souffle parce que j'ai peur qu'il me souffle dessus. Je suis pas mal sûr que ça va faire ouchie. Mais voyons. T'en as combien? Deux, je pense. Point positif, on sait où ils sont. Ok, j'aurais pas pu en ramasser plus de toute façon parce que je t'ai rendu pleine. On veut à peu près se souvenir, c'est 400 mètres à peu près de notre beacon de base. Mm. Toc, 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 toc. Ouais, c'est ça. Parce qu'on compte toutes les fiches.
Welcome aboard, Captain. Bon. Fait que... Tu pourrais commencer par mettre les eggs dedans, le egg. C'est vrai. Just. Bon. Blessé. Merci. Bon. Merci. Merci. Avant que tu déposes toutes tes maths, tu pourrais regarder c'est quoi qu'il te faut pour faire le station de modification. C'est vrai. Quantum blocker. C'est pas là-dedans? Oh non, c'est vrai, fallait que je construise le builder. Un diamant, un LED, un titanium, puis un computer chip. C'est quoi ça prenait déjà? Un gold, deux corals sympas. Holy fuck, je m'excuse. Est-ce qu'elle dit qu'il décide de nous péter les oreilles? Ça peut être aussi fort que ça dedans ce tuyau, au moins. Ouais. Fait que c'est ce qu'elle dit qui pète les ailes à Red. Ouais, c'est ça d'abord. Puis la diamant. Shine bright, à quel point? J'ai-tu mis de le construire à une place spéciale, genre, ou peu importe? Non. Peu importe. Pas que tu peux le défaire puis le refaire après. Mm-hmm. Si jamais. Des rubis. Il me faut le 1. Synthetic fiber. Et j'ai pas encore le 1, mais j'ai le 2 puis le 3, c'est pas pire. Attends, je vais aller voir. C'est quoi déjà? Non. C'est... Fuck upgrade. Synthetic fiber. Can be crafted in the fabricator or vehicle upgrade console. Tu pourrais le faire dedans le fabricateur. Lui d'abord? Ça demande... Ouais. Deux glaces puis... Un plastil ingot. Je serais assez pour ça. Deux lithium puis un titanium. T'as-tu assez de lithium? Il me semble que tu as juste pogné deux. Je n'ai pogné deux, moi. Trois en tout, parce que tu viens d'en utiliser un pour. Pourquoi? Modification station. Ça prenait pas non, le c'était, c'était un LED. Mm-hmm. Glass. LED glass. Diamond, wow. Pour vrai? Wow. Il en faut un ou deux? Deux. Fait qu'il te faut deux autres diamants. Ouais, deux en tout, mais j'en ai un de plus. Puis il me faut un LED de plus aussi. Puis un quartz de plus. Oh. Tu devrais manger des nuts aussi avant. Des nuts. Des nuts.
Avec la distillerie de minéraux. Ça dit que la structure de cet appareil puis les scans internes indiquent que c'est probablement son utilité était de processer et extraire les minéraux de l'eau. L'outil est construit en sorte qu'il va aspirer l'eau dans sa chambre primaire qui est surchauffée, dans le fond. Puis pendant que l'eau bouille, la vapeur est condensée de retour dans une chambre séparée, puis sortie, puis ça sort l'eau processée de retour dans l'océan. Les minéraux qui sont laissés derrière sont ramassés puis attachés dans un module pas armoire, pas... de rangement, genre. Un module de rangement, ouais. Mettons. L'activation puis les paramètres de contrôle sont inconnus. Fait que ça, c'est comme les veines de minéraux. Ça dit qu'ils sont derrière des pierres qui sont ouvertes, mettons. Je sais pas comment dire. L'eau, c'est comme... qui sont lousses, mais ça fait bizarre de dire ça en français. C'est vrai. Cryptosuchus. C'est une large bête qui ressemble à un requin. Facilement identifiable par sa carapace... de plaques osseuses minces. Structure. Donc, ça dit que ces plaques-là sont, dans le fond, une structure défensive d'ossements qui les aide à absorber la chaleur parmi les Attends, conduit, une cheminée, un tuyau. Une cheminée thermale, mettons? Ça marche. Ouais, me semble. Ça dit qu'ils se propulsent avec leur grande nageoire. Un peu comme que les canards ont, là. Comme avec les trucs entre les doigts, genre. Qui déplacent. Ouais, c'est ça, merci. Pas le même. Qui déplace une grande quantité, une massive quantité même d'eau. Leur attitude. C'est une créature qui est un petit peu contradictoire. Malgré son apparence épeurante, c'est plus un crieur qu'un mordeur. Même s'ils sont territoriales, et ils ont tendance à se retirer quand ils sont confrontés après être attaqués juste une fois. Ah, fait qu'on pourrait les attaquer juste une fois aussi, puis ils s'en iraient. J'étais comme, c'est sûr que tu fais pas juste un coup, finalement, oui. Probablement dans le fond, un type de forme de posture agnostique. Ça dit que la faune agressive a tendance à éviter de se battre si les probabilités de se blesser sont trop hautes. Ça dit que ce qu'il faut faire si on en voit un, c'est les éviter, mais ça peut être aussi. Tu peux t'en occuper comme facilement. Comme qu'il dit, juste donner un coup, il va s'en aller. Cul-cul. Yep. Mmh.
Yep. Ben, plein en tout. Au reste, oui. Puis, il est 4h58. Merde! I refuse. Je n'ai pas allé chercher un autre diamant avant. Bon, alors, en fait, c'était pas juste des diamants qui nous manquaient, non? Du LED. Comment qu'on l'appelle, notre petit truc? On peut le nommer? Non. Il me semble que non. Mais comment nous autres, on va l'appeler? Bumblebee. Comme la toune qui est faite souvent de façon sacrilégieuse. Trop rapide. Fait que je vais peut-être le raccourcir à Bi ou Bibi. Bibi, ouais. C'est pas si t'as vu. Regarde, t'es à combien de distance de la maison? À peu près là. Il y en a là, en tout cas. On en a quatre. Awesome. Et il va juste manquer de LED. Ouais, jamais tu veux farmer pour du gold et du silver. C'est où aller? Ouais, c'est vraiment une bonne place ici. Ça me semble qu'il manquait peut-être du silver aussi, non? On avait pas une couple, mais peut-être. Ou je n'avais juste assez, je sais plus. Ben, attends, c'était pour le enamel de Tiny? Enamel glass, oui. Ça demande un LED, un diamond, puis un glass. J'avais toutes les autres affaires, sinon? Ben, il me semble que t'avais fait le plasteel ingot avant qu'on parte. Je pense qu'il manquait juste un LED, mais... Toujours pensé d'en avoir plusieurs. Ouais. J'ai comme tant qu'à avoir plusieurs patchs qu'il y en a, on va les prendre là, puis... Mm-hmm. Même si j'en ai trop, je vais en avoir besoin pour d'autres choses, c'est pas mal sûr, certain. Mm-hmm. Moi, l'énergie n'a pas l'air de baisser trop rapidement. Ça, ouais. Il me semble qu'il y a peut-être un module pour... ça, c'est Light Energy
generated ou warm. Genre que t'as des blasts warm puis qu'il se recharge. Ok. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Captain. Non, il manquait de, aussi un quartz. C'est vrai. Et je peux aller jusque là sans devoir prendre quoi. Il y en a fait un à ta gauche. Quand tu montais du la place où tu arrivais là. On les fait qu'il y a trois sortes de roches. On est capable d'aller profond même. Avoir le temps de revenir même à la base sans devoir prendre une plante d'oxygène, c'est tellement merveilleux. Ouais, non, c'est vraiment épique. En plus, sans te faire avertir que rendu à oxygène, après, aussi en plus. C'est vrai. Ta-da! Yay! On pense se rendre au Deep Twisted Bridge. Puis je vais pouvoir faire le laser cutter aussi. C'est vrai. Bon, j'en ai pas besoin pour l'instant, mais. Ben, en fait, on a même plus besoin d'aller au Deep Twisted Bridge vu que c'était pour des diamants. Pour l'instant. Et notre prochaine quoi, c'est ramasser un friend pour le penguin baby qu'on a. Hmm. Faut-tu que je l'accepte genre de l'extérieur? Pour le en haut, sur le top. Ah, ici. Nice! 300 mètres, nice! Ouais, mais je me souviens plus, c'était où qu'on avait vu le... Ben, en fait, tant que tu pognes une plaque de glace sur le top, peut-être que tu vas en voir à un moment donné. Ça, je pense que c'est trop gros. Normalement, ils prennent juste les petites. Il faut que ce soit une température qui est vraiment pas belle, qu'on voit pas bien hein? Ouais. De loin. Of course. Best time. Ça se calme. Toutes les petites ici, il n'y a pas l'air d'en avoir. C'est assez drôle que quand tu mets juste ta tête à l'extérieur puis que t'avances, on dirait que tu
bouge même pas. Non, c'était pas juste la plateforme là qu'on en avait. Déjà là, il y avait même avoir peut-être sur celle-là. Ouais, on dirait. J'ai entendu un munch. Y'a rien qui munch, c'est vrai. T'en as trois, là. Allez-vous-en. Je peux pas pantoute aller chercher vos bébés. Tout va bien. Non, on va prendre pas dans l'eau, petit. Je le ramasse dans l'eau, là. Non, mais il va être même plus facile à ramasser sa terre avec toutes les autres en même temps. C'est vrai. Une fois que les parents sont partis. Ah, je peux les scanner? Les petits? Apparemment. Non, ça c'est un gros. Ah, le petit était là. Il a même pas l'air de m'attaquer. Je n'ai pas pris du tout vos petits bébés. Ouais, non, pas du tout. Peut-être qu'il, quand il nous voit pas, c'est correct, mais... Je sais pas, il me semblait qu'ils attaquaient quand tu pognais ou t'approchais de leur bébé. Je sais pas. Apparemment, j'ai été chanceuse puis j'ai été sauve. Il va y avoir plein de petits frères maintenant. Yay! Ils sont tellement cute! Là, je me fasse une autre batterie. Parce que je l'ai utilisé tantôt. Il y a peut-être ça là-dedans. Pour le knife. Ouais, je l'ai utilisé pour le knife. Ça. Mais je sais pas de copper. Parce qu'il y a ça qu'il faut que je charge. J'ai le temps que je vais chercher un copper. Je peux y aller à main nue de même. Tu peux prendre les barres de fish que tu passes à côté parce que t'es déjà rendu à moitié de ton eau, quasiment. Aller sortir par réflexe. T'aurais peut-être pas avancé beaucoup. Plus vite que tu voulais, genre. Nice. C'est juste ça, je pense, après? Me semble que oui. Ouais, c'est un copper puis deux plantes. Bah, si tu prends un autre copper, tu vas te faire une autre batterie? À date en chemin, je vois pas d'autres trucs. Ouais, non. À petit. Je pense que de toute façon, j'ai peut-être pas assez de plomb pour faire deux batteries, non? Ouais. J'allais chercher ça en plus. We will see. Ouais, c'est, j'en ai juste pas une. Ah, ok.
Bio. Xio. Xio. Et malheureusement, on va quitter là. Ça t'est. T'as-tu sauvegardé avant? Mm-hmm. Ok. Non, mais Mimi, t'es dans mon lit. Ouh, belle visite. Puis ta minoune est dans mon affaire à linge. C'est bon, ça. Pas de chicken. Mm. Fait que ça va être tout pour Subnautica. Si on vient après le souper, ben ça va être encore là, Legend of Keepers. Sinon, ben on va revenir mardi, en après-midi, avec Subnautica, Below Zero. Ça va être tough aussi de pas faire une journée sans Subnautica. Ben, oui, hein? J'ai d'avoir l'horreur qui vient de catcher. Mais j'ai comme... Juste en disant ça, je l'aime bien gros à nous aussi. Ouais, il est fucking awesome. Puis même, je trouve le fait que je connais aucune des créatures est encore comme une coche de plus que l'autre, genre. Parce que l'autre, il y avait déjà des places que je savais où est-ce qu'il fallait que je fasse attention, puis tout. Puis là, je sais pas où est-ce qu'il faut que je fasse attention, puis... À part partout. Ouais, c'est ça. Je fais attention partout, je jump partout. Fait que ça va... Et tout pour Subnautica pour aujourd'hui, comme je dis. Donc, merci aux personnes qui sont venues. Thank you for coming. Et à la prochaine. See you next time.